Salutations! Bienvenue vous retrouver. Je vous présente Still Stand. C'est un jeu émotionnel et véridique lié à la dépression et à la mauvaise humeur. On entrera dans l'esprit d'une femme marginalisée qui vit en isolement dans son appartement. Elle se sent perdue en insécurité et désespérée. Elle sera submergée par le déclin et le fait de lutter pour survivre dans une vie où elle se trouve seule et pas en face avec qui elle est. C'est une expérience vidéoludique sombre qui se raconte à tout être humain. On devra l'aider à réaliser qu'il y a encore de l'espoir et que les choses peuvent changer pour le mieux. C'est un type de jeu dans le genre pointé et cliqué, dessiné en noir et blanc. Il est vendu au prix de 3 euros, un petit prix raisonnable. Il est sorti récemment sur PS4, sachant qu'il était initialement sorti il y a un an sur Steam en 2020. Ce jeu contient un total de 12 trophées, 11 en heure et 1 platine, et sa durée approximative pour platiner de 40 minutes. Sa note de difficulté est de 2 sur 10, et l'acheminement des trophées se présenteront ainsi. Il faudra interagir avec tous les objets dans le jeu qui seront de couleur bleue, de même que les choix de dialogue. Je vais vous montrer durant cette procédure du guide tous les éléments et dialogues qu'il faudra pointer. Allez, on y va, on va changer la langue, on va aller dans Settings, qui veut dire paramètres. On met français, confirmer, et puis on peut commencer une nouvelle partie. Sachez que moi, je ne vais pas lire les dialogues, je vais tous les passer, je vais écraser les conversations, donc je vous laisse le champ libre pour le lire de vous-même. Donc, pour faire passer les bandes dessinées, il faut cliquer avec la touche croix. Et puis vous aurez un petit symbole de brouillard, de cercle comme ça, de gribouillage en noir. Vous voyez, il y a trois gribouillages noirs et ça fait défiler les pages les unes après les autres. Vous pouvez cliquer n'importe où. Par contre, quand vous voyez cette couleur bleue, dès que vous voyez un élément du décor qui est coloré en bleu, ça veut dire qu'il va falloir interagir avec cet objet, cet élément pour faire avancer l'histoire. C'est très simple. Ce trophée, il n'y a qu'un trophée qui est manquable. Il n'est pas vraiment manquable parce qu'il y a la sélection des chapitres à la fin du niveau. Quand vous aurez terminé le jeu, vous pourrez revenir dans tous les chapitres. Donc vous voyez là, le ventilateur est en bleu, donc on interagit avec, hop, pour faire continuer l'histoire et progresser dans le scénario. Donc là, on va prendre sa main. Hop, on l'a fait boire son café ou son lait chaud. Et on continue à appuyer si on veut faire très très vite. Premier trophée, donc ça c'est un ami imaginaire, je suppose. Certaines personnes, les enfants surtout, on leur donne des nounours pour éviter qu'ils fassent face à certaines difficultés, comme le fait d'être, de ne pas être avec leurs parents, on leur donne des nounours. Elle s'est créée comme une sorte de nounours imaginaire. Donc là, on interagit avec ses lèvres, et puis on interagit avec la couverture qui est colorée en bleu. Hop, on clique dessus. Elle vit un manque d'affectif, d'affection. Heureusement qu'elle a son ami imaginaire pour la consoler, l'écouter et lui venir en aide. Chapitre 1, la fêtarde, on vient de terminer le prologue. Donc il y a un trophée qui est manquable tout de suite, donc je vais vous dire, il va falloir interagir avec le téléphone et il faudra lire la conversation d'un SMS qu'elle a eu avec son ami, mais il va falloir revenir à la conversation précédente. Donc là on est sur son téléphone, on descend et dès qu'il y a un SMS qui apparaît, on clique dessus, donc là on monte ou on descend, on s'en fiche. C'était coloré en bleu, donc il faut interagir avec le téléphone et les publications. On attend le SMS, voilà, le SMS est arrivé, et là le trophée est manquable. Donc on clique sur nouveau message, et on ne répond pas à la question, on ne dit pas tout juste oui, on fait remonter la conversation de discussion qu'elle a eue avec Iben, on remonte tout en haut, et le trophée devrait pop une fois qu'on sera arrivé au maximum, dès qu'on pourra plus monter. On continue à monter. Ah, là, je peux plus, je crois. Ah, si. Ok.
Continue à monter. Ah, là, je peux plus. Voilà, là, je peux plus monter. Donc, le trophée est tombé. Voilà, le trophée qui est démanquable. On l'a obtenu. Maintenant, concernant les choix de réponse, vous pouvez répondre n'importe quel choix de réponse. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez en réponse. Vous pouvez dire oui ou tout juste. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre tout juste. À partir de maintenant, je vous laisse en compagnie de mon guide qui ne contiendra plus de commentaires de ma part, sachant qu'il n'est plus nécessaire à ce stade du jeu de suivre un guide pour obtenir le platine. Il suffira uniquement de cliquer sur tous les éléments du décor du jeu qui seront colorés en couleur bleue. Si vous êtes bloqué, revenez jeter un petit coup d'œil au guide. Donc je termine sur ces quelques mots avant de vous quitter. Si vous souffrez de dépression ou de mauvaise humeur, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que les choses s'amélioreront. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, salutations!
Thank you.